Good morning, Aleiden. Le tu seras aujourd'hui le lunishmat Amram, Yona ben Chana, Piggy Batester, Nissim bat Aouda Shishportish, Nissim ben Aouda Shishportish, Michel Novikov, Zerufat Rud, bat Kluzin Freina, et Simchabat Masodi Bidor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier la prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet et Douyot, Perek Alef, Mishnah Yud Alef, qui sait Shalkala Shinitlu Fikuyav, Bet Shamay Omri, Bet Shamay Metamin, ou Bet Yilel Meta Harin, Shamay Omer, Afmal Ben Shel Kise, Tame. Kise shekva'o ba'ariva. Bet Shamay metamin ou bet Hillel metaharin. Shamay omer afe asui ba. On a dans notre Mishnah deux discussions qui vont parler de Ilchot Touma v'tahara, des lois d'impureté. Donc c'est dans le Seder Taharot, le dernier des six traités des Mishnayot. Et avec une discussion Bet Shamay bet Hillel et Shamay. On va d'abord faire une petite introduction. Un ustensile devient tamé, si un homme tamé, si une impureté va le toucher, selon des règles bien définies. D'accord ? Un chéretz mort, ça peut être un serpent mort, qui va toucher un récipient, un ustensile, il va rendre ce récipient tamé. Pour purifier ce récipient, il y a de la route. Soit on trempe au mikvé, soit il y a de la route bien précise, quoi faire. Mais dans notre Mishnah, on va parler d'une toute autre forme de tahara, de manière de purifier un objet, c'est justement en le cassant. Un ustensile reçoit la touma, il devient impur, mais tant qu'il reste un ustensile uniquement. Si cet ustensile se casse, il ne sera plus un ustensile. De ce fait, il a été nitar. Enlem tahara elashvira. Vous avez entendu cette règle probablement. Klichres enlo tahara elashvira. Un objet en argile, par exemple, qu'on ne peut purifier d'aucune manière, ni même par le mikvé, ni en jetant les cendres de la vache rousse, rien du tout, il n'y a aucune solution de purifier un objet en cuivre qui est devenu tamé, si ce n'est le fait qu'on le laisse tomber par terre, il se casse. Une fois qu'il s'est cassé, il a perdu son statut de cli, maintenant tu peux décider de reprendre le morceau et de le coller, et puis tu auras un nouvel ustensile que cette fois-ci n'a jamais été impur. Voilà pour l'introduction. À présent, dans notre Mishnah, on va s'intéresser à quelque chose de très spécifique. Un objet qui avait une fonction très spécifique et qui a été endommagé au point de ne plus avoir cette fonction, mais qu'il est quand même utilisable pour une autre fonction semblable à la première mais qui a plus la même ampleur. Par exemple, on va parler d'un kissé shel kala shenitlu chipuyav, une chaise d'une jeune mariée, une kala shenitlu chipuyav, littéralement que ce qui le recouvrait, le chipuy c'est ce qui le recouvre, nitlu, il a été pris, il a été cassé, supprimé. Alors, il y a sur ça deux pirouchim dans le Barthénora. Première explication, c'est qu'en fait, on parle d'une chaise qui avait des accoudoirs, où la jeune mariée pouvait s'asseoir très confortablement, c'était comme ça l'allure à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que ces accoudoirs se sont cassés. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même une bonne chaise, on peut l'utiliser pour inviter des invités, pour s'asseoir ici, pour tourner un cours. C'est pas grave s'il n'y a pas les beaux accoudoirs. Cela dit, c'est vrai. Mais pour le moment, la chaise, elle est peut-être en direction de la poubelle publique parce que tu n'as pas envie de la réutiliser, de la recycler pour avoir une chaise moche dans ton salon. C'est aussi possible. Alors c'est en ça qu'en réalité une discussion Bet Shamay et Bet Hillel. Bet Shamay omrim, Bet Shamay metamin. Bet Shamay nous dit, écoute, cette chaise-là, elle est encore utilisable en guise de chaise. Certes, tu as plus pouvoir l'amener dans les mariages pour laisser la kala s'asseoir dessus, mais elle a quand même un statut de chaise. Et de ce fait, si elle était impure, alors elle garde son impureté. Ça, c'est l'avis de Bet Shamay. Ou Bet Hillel met un harin. Tandis que Bet Hillel purifie cette chaise. Ils vont dire non. Il est vrai que si tu décidais de reprendre cette chaise, tu dis, ah, bon, maintenant qu'elle s'est cassée, je vais la garder chez moi parce que j'ai systématiquement envie d'avoir une chaise sur mon balcon pour voir, peu importe. D'accord ? Alors dans ce cas-là, c'est sûr que ta chaise redeviendra une chaise. Mais pour le moment, tant que tu n'as pas décidé qu'est-ce que tu vas en faire, le fait que ces accoudoirs se sont cassés, ou le fait que ce soit le pshat du Rambam, j'ai oublié de le dire, les petits ornements en garniture, les petits dessins, les petites formes qu'il y avait sur cette chaise, c'est ça le chipouille qui a été entièrement enlevé, saccagé. Alors, Bet Hillel nous dit, écoute, puisque cette chaise-là, c'était une chaise de Kala, et maintenant c'est plus une chaise de Kala, quelle est sa direction pour le moment? La poubelle publique? Elle n'a plus de statut de chaise, donc Bet Hillel met Taharin, il la rend pure. Shamay Omer vient maintenant Shamay avec un nouvel avis et nous dit Afmal Ben Shel Kise Tame. Shamay, lui, il est très strict. Il nous dit même le Malben Shel Kise, littéralement, un Malben, c'est un
par l'épipède, comment c'est dit, je sais plus, bref, une forme qui a un carré, un rectangle. Même le rectangle de la chaise, du siège, donc, est impur. Soit, selon Shammai, Shammai c'est le pire, tellement qu'il est mahmir, il va nous dire, écoute, tant qu'une chaise, même si tu lui casses les manches, tu lui casses le dos, tu lui casses les pieds, il va rester malgré tout le moshav, le siège. Ce siège-là, tu peux le prendre et l'amener ailleurs pour l'utiliser. Donc moi, je pense que même sur ce siège-là, il y a encore un statut de cli, d'ustensile. Et de ce fait, il reste tamé comme ce qu'il était. Le fait de s'être cassé n'a pas pu le purifier, étant donné qu'il n'a pas été foncièrement, complètement cassé. Il a été un petit peu démonté, il a perdu les manches, il a perdu les pieds, il a perdu les accoudoirs, il a perdu le dos, mais il y a malgré tout l'essentiel qui est là, le siège que tu peux utiliser pour t'asseoir sur un banc désagréable ou peu importe, alors ça restera un ustensile qui recevra la touma. D'accord ? Afmal ben shel kisetame. Maintenant, on va parler d'un tout autre sujet, pas tout autre sujet, mais à moitié. C'est-à-dire que ça touche encore au siège, mais dans une forme un petit peu différente. Et alors là, il va falloir introduire qu'il y a le Zav et l'Anida ont une touma particulièrement grande dans la mesure où elle se fait communiquer avec ce qu'on appelle le Tumat Moshav Vemishkav. On va pas entrer dans les détails, mais concrètement, lorsqu'un homme impur s'assoit sur une chaise, alors outre le fait qu'il le touche, qu'il la touche et donc qu'il la rend impure, même s'il s'assied sur cette chaise sans la toucher, par exemple, il y a plusieurs chaises empilées, il s'assoit même sur celle du haut, eh bien, il faut savoir que toutes les chaises deviennent toutes impures par la tumat mishkav ou moshav, par la tumat moshav, le fait de s'être assis. D'accord ? Maintenant, autre halakha. Le fait de s'asseoir sur une chaise rend la chaise impure avec une tumat très grave, plus qu'un simple toucher uniquement. Il y a malgré tout quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui se passe si je m'assois sur quelque chose que l'on n'est pas censé s'asseoir dessus? Par exemple, je vais prendre une bassine. C'est la Areva en question qu'on va avoir dans la Mishnah. Une grande bassine. Et j'avais pas cette chaise à la maison. J'ai pris cette bassine, je l'ai retournée, je me suis assis dessus. Et qu'en fait, je suis tamé. Je suis zav. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai rendu cet objet impur parce que je me suis assis? Certes, si je l'ai touché, je l'ai rendu impur parce que je l'ai touché. Mais si je ne l'ai pas touché, je me suis juste assis dessus. Est-ce que je l'ai rendu impur par la tomate mishkav? Alors la question, là maintenant, ça va toucher un autre domaine, qu'il y a un miout de la Torah, que c'est uniquement quelque chose qui est, que sa fonction essentielle, elle est de s'asseoir ou de se coucher dessus. Mais si je m'assois sur quelque chose de très, occasionnel, d'accord? Alors, dans ce cas-là, je ne rends pas tamé cet objet en m'asseyant. Si je l'ai touché, je l'ai rendu impur, mais si je me suis juste assis, je ne l'ai pas rendu impur. De ce fait, maintenant, on va d'abord introduire la halakha de la areva. De la grande bassine dans laquelle on pétrit le pain. Cette arrivée-là, si je la retourne et je m'assois, je ne la rends pas impure, selon tous les avis, je ne la rends pas impure en m'asseyant dessus si je ne la touche pas. Par exemple, j'ai mis dessus un bois et je me suis assis sur le bois qui était assis. En théorie, si c'était une chaise, j'aurais rendu impure la chaise. Mais là, cette fois-ci, la question sera de savoir est-ce que je l'ai rendue impure, cette bassine, et la réponse, elle est que non. Pourquoi? Parce que la Torah a insisté que l'impureté n'est communiquée lorsque tu t'assois que si c'est quelque chose qui est foncièrement destiné à s'asseoir dessus. Ok ? Donc maintenant, on y arrive enfin à notre Mishnah. Dans notre Mishnah maintenant, on va parler de quelque chose de très spécial. C'est que j'avais une bassine, initialement une bassine, sa fonction n'est pas de s'asseoir dessus. Ce qui se passe, c'est que de temps en temps, j'ai envie de me reposer un petit peu. Donc du coup, sur le dessous de la bassine, sur l'arrière de la bassine, j'ai fixé là-bas, j'ai pris un siège d'une chaise et je l'ai fixé dessus. De manière à ce que, lorsque je retourne à la bassine, je peux m'asseoir dessus. Mais foncièrement, la bassine n'est pas une chaise. Chaque fois que je vais m'asseoir dessus, il va y avoir ma femme, ma mère qui va venir me dire « Lève-toi, j'ai besoin de pétrir du pain !» Ouais, c'est ce que c'est l'expression de la Gemara. « Prat lesé shomrim lo amot venaase melachtenu » Un siège, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas destiné pour s'asseoir, il n'est pas impur parce que sans arrêt, dès que tu vas t'asseoir dessus, quelqu'un va venir te dire « Lève-toi, j'ai besoin de l'utiliser. » De ce fait, là, je me retrouve avec une bassine qui est à la fois un siège, mais qui est essentiellement une bassine, et tant bien que mal, ça sert aussi en tant que siège. Vous comprenez un petit peu l'ambiance qui se passe? La question maintenant va être de définir. Est-ce que j'ai ici devant moi deux ustensiles, une bassine avec
un siège collé, où j'ai, puisque je les ai fixés ensemble, j'ai désormais plus qu'un seul ustensile, qui est essentiellement une bassine, et le siège n'est plus tellement fonctionnel en fait, et de ce fait il ne va pas devenir impur. Et c'est la distinction entre Beit Shammai et Beit Hillel. D'accord ? Qui sait chez Kvao Ba'areva ? Il a pris une chaise, il l'a fixée sur la Areva, de manière à ce qu'il est encore censé s'asseoir dessus lorsqu'il retourne à la bassine, par exemple. Je l'ai lu ça de je ne sais plus où. Je l'ai lu en tout cas. Derech Yeshivato, je l'ai vu quelque part, je crois que c'est dans Melechat Shlomo. Ok ? Donc maintenant, je remets encore une fois. J'ai cette bassine-là. S'asseoir sur une bassine, ce n'est pas un siège, parce que dès que tu t'assois, on te dit hey, lève-toi, on a besoin de travailler avec. Repose-toi un petit peu, mais lève-toi, tu n'es pas censé t'endormir sur une bassine. Maintenant, il a fixé le siège sur le dos de la bassine, et lorsqu'il retourne à la bassine, il veut s'asseoir dessus. Mais malgré tout, on a un siège très spécial, que sans arrêt, dès que tu vas t'asseoir, on va venir te dire, lève-toi, on a besoin de travailler avec l'objet, avec l'ustensile. Alors, est-ce que c'est considéré comme un siège ou non? Sur ça, Beit Shammai metam in, Beit Shammai rend impur le siège, parce qu'il considère qu'il y a ici deux choses. Il y a la bassine et le siège. C'est vrai que le siège, il est concrètement dans une situation où tu ne vas pas pouvoir t'asseoir et t'endormir. Mais malgré tout, ça reste un siège que dans sa fonction, c'est un objet sur lequel on s'assoit. Donc, ça va devenir être tamé avec la tomate moshav, la fameuse impureté lorsqu'on s'assoit sur quelque chose. Et Beit Hillel, ou Beit Hillel, metarin, et Beit Hillel le rend pur. Pour quelle raison? Parce que Beit Hillel, ils vont nous dire non, dès que tu l'as fixé sur la bassine, c'est devenu un seul objet, c'est une bassine originale. Ou tu réussis à t'asseoir dessus, mais en tout cas, ce n'est pas foncièrement une chaise. De ce fait, ça ne va pas être tamé avec la tomate moshav. Ok ? Shammai Omer, af he asoy ba. Alors là, je vous explique, j'ai beaucoup peiné à comprendre cette Mishnah, je ne suis pas sûr de mon coup, mais je vous dis tel que je comprends les choses, à mon humble avis, sans fausse modestie, c'est réellement un avis très humble. Shammai Omer. Shammai nous dit, même s'il a utilisé le siège pour la transformer en bassine, soit, par exemple, je vais illustrer ça avec le... Imaginez qu'il y avait un trou dans la bassine, et j'ai pris le siège, je l'ai collé sur la bassine, de manière à boucher le trou. Donc en fait, le siège, je l'ai vraiment transformé en partie intégrante de la bassine. Et bien malgré tout, il avait un statut de siège initial, de chaise, de moshav. Il a gardé son statut, même une fois qu'il a été fixé sur la bassine, et de ce fait, il deviendra tamé. J'ai compris ça du Barthénora, hein, qui nous dit, regardez, dans « Qui c'est chez Kavo Obareva ?» La chaise qu'il a fixée dans la Areva. Et le Barthénora, il nous dit, « Evi qui c'est Mimakomachin avec Kavo Bareva de Rechishivato ?» Il a amené une chaise dans un autre endroit, il l'a fixée sur la Areva, de manière à ce qu'il va pouvoir s'asseoir. Mais quand Shammai il parle, il nous dit Afkise Asui Bareva Atzma, même le siège qui était fixé dans la bassine elle-même. Donc je comprends que je ne sais pas exactement où il l'a mise, ou s'il l'a mise sur le dos, s'il l'a mise à l'intérieur, mais en tout cas, ça devient une partie intégrante de la bassine qui est maintenant nécessaire pour le rendre, pour le pétrin, quoi, enfin, puisqu'on parle d'une Areva, de la bassine, le pétrin. La bassine où est-ce qu'on pétrit le pain plutôt. Et c'est devenu une partie intégrante. Et bien malgré tout, Shammai va nous dire non, puisque c'est un siège initial et que tu reconnais encore le siège qui est là, alors il garde son statut de siège qui devient tamé avec la tomate mishkav au moshav. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.